les saints de tous les temps et les âges, qui avaient marché dans la lumière du Seigneur. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous célébrons Saint Paulin d'Aquilée. Grand théologien, Paulin fut évêque d'Aquilée. Il participa à la conversion des Slovènes. Célèbre poète, il est l'auteur des célèbres paroles chantées pendant l'offertoire du jeudi de la Sainte-Cène, où sont amour et charité, Dieu est présent. Il était également un génie théologique et un commentateur biblique connu pour ses prédications. Il a été appelé le meilleur théologien de la fin du 8e siècle. Saint Paulin est invoqué par les hommes de lettres pour être toujours inspiré. Saint Paulin aimait beaucoup la Vierge Marie. Il a même composé une hymne intitulée « Marie ». Cette Vierge présenta au temple, sur ses bras sacrés, le Saint-Enfant Jésus. Il nous dit « Le 40e jour de la jeune mère étant arrivée selon la loi du Seigneur, Marie, cette Vierge, présenta au temple, sur ses bras sacrés, le Saint-Enfant Jésus, fils unique de la majesté du Père. L'heureuse mère portait sur ses chastes épaules un Dieu couvert du voile de la chair. Ses lèvres avaient imprimé de doux baisers sur le visage de ce Dieu, homme véritable, par l'ordre duquel tout fut créé. Les parents portèrent deux blanches et tendres colombes, au plumage pur comme le lait, et ils les offrirent pour lui au temple deux tourterelles. Elles furent consumées dans un sacrifice comme le prescrivait la loi, et Marie conservait dans son cœur de si hauts mystères. Gloire au Père de Jésus dans sa majesté souveraine, gloire à toi, Fils unique du Père, Dieu puissance, vertu plus haut que les cieux. Au Saint Paraclet, louange infinie, honneur et empire à jamais. Saint Paulin, priez pour nous. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Paulin, Pauline. C'était votre émission, ton Saint Patron te parle. À demain. Les saints de tous les temps et les âges, qui avaient marché dans la lumière du Seigneur.